Alors, on se termine cette vidéo puisqu'on a été coupé, donc mais on ne sait pas, c'est comme ça. On subit tout ça, donc la fin de Lou. Je crois que je vous l'ai déjà lu, donc au moment où ça a coupé, hein, on vous conseillait effectivement de vous donner la permission de vouloir ce que tu veux sans nuire à personne, évidemment. Donc, il faut réfléchir. Hein. On voit effectivement ici qu'on n'est pas deux, on est trois. Hein. On n'arrête pas de nous le dire. Donc, vois un petit peu comment tu peux agir par rapport à ça. Différence entre un loup affamé et un monstre en cage. Furieux et vindicatif. Ok. Alors, on continue avec des messages. Excuse-moi, ça veut sauter dans tous les sens. Allez. Pour les Gémeaux, on parle de mensonge. On vous dit attention, il y a quelqu'un ici qui est pas honnête. Qui ment, c'est pas tombé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va le prendre. Mercure rétrograde, attention, ici dans les communications, dans revoir quelque chose, dans tous les appareils électroniques, les communications, l'issue de certaines communications. Faites gaffe. Et on a ici le narcissique. Ok, il y a quelqu'un ici qui est trop plein de. Qui se bade en fait. Les Gémeaux. Ouais. Bon, il faut faire attention à Mercure rétrograde. Hein. On sait très bien, on est dedans là. Je pense que la Vierge, les Lions, les Gémeaux étaient impactés par ça. Mercure rétrograde fait que, effectivement, il y a besoin de revoir certaines choses ici. C'est intéressant de faire la fin de votre tirage. Hein. Bon, il y a quelqu'un qui est trop focus sur lui. Hein. Trop focus sur lui-même. Et qui est en plus dans le mensonge. Donc faites gaffe un petit peu aux communications que vous pourriez avoir avec cette personne ici, les Gems. Allez, petit Gémeaux, on termine avec un petit message comme ça. On y va. Quand deux cœurs se... Alors un challenge, des challenges. Toutes les âmes, les vraies âmes se connectent à certains challenges qui peuvent faire que ces personnes se retrouvent ensemble. Donc effectivement, il peut y avoir un challenge entre toi et cette personne. Après, il faut voir un petit peu comment ça te parle, parce que ça peut ne pas être lié avec ce qu'on vient de tirer là ou avec ce qui était avant, tout ça. En tout cas, il y a des challenges ici à dépasser. Qui peuvent justement te faire sortir de tes peurs, de tes schémas, de ci, de là. Enfin, tu vois un petit peu comment ça peut résonner avec toi, Gémeaux. En tout cas, c'était ton tirage pour les messages que tu devais entendre, qui vont t'aider à avancer, à travailler sur ce qui a bossé. Je te fais en tout cas des gros bisous du cœur. Rappelle-toi l'adage de la chaîne et de ne plus jamais accepter l'inacceptable. Je te remercie en tout cas pour ta présence, Gémeaux. Je te fais des gros bisous du cœur et je te retrouve très bientôt. Des gros bisous du cœur et je te retrouve très bientôt. Bye bye.